Bonjour. Jusqu'à aujourd'hui, on avait l'habitude de retrouver des carburateurs de tronçonneuses, tailleux et compagnie, petites machines, avec les vis HL que l'on réglait avec le fameux tournevis, gracieusement offert par la maison Steel, lors d'achat d'une débroussailleuse à peu près de 800 euros. Voilà. Aujourd'hui, pour nous embêter encore plus, on trouve ce genre de carburateur. Bon, ici, c'est un carburateur à balayage stratifié, ça c'est une autre chose. Mais on trouve ces deux vis, voilà, HL, voilà, on voit H ici, au-dessus là. H, L de côté. Par contre, l'empreinte de la vis, voilà ce que c'est. C'est l'écran. Alors, avec quoi on va démonter ces vis, avec quoi on va régler? J'en ai vu certains qui avaient découpé au Dremel la partie, le puits, hein, ce que s'appelle le puits là. C'est-à-dire toute cette partie-là pour pouvoir avoir accès à ces deux fameuses vis. Eh bien, la solution est beaucoup plus simple. Vous prenez une cosse de jonction d'électricien, une cosse bleue, où vous avez fait un repère, ici en l'occurrence un coup de vernis rouge, et vous venez introduire là, contre dans la vis, hein, sur la tête de vis, un petit coup de marteau, un léger, hein, pour que ça rentre bien. Voilà. Voilà. Donc, si on vous dit que ici c'est la vis L, le réglage est un tour trois quarts, donc je revisse à fond. Je revisse à fond, j'ai mon repère en face de moi. Il se défait un peu hein, parce que je viens de mettre le vernis. Alors je dévisse déjà d'un tour. Voilà, hein, un tour, presque deux tours. Voilà, donc déjà deux tours, et je reviens en arrière, voilà, pour avoir un tour trois quarts. Donc ici, c'est pour régler les reprises. Alors, une fois le moteur en marche, pour avoir des reprises franches, il faut revisser ou dévisser très légèrement cette vis. Voilà. Après, on dit que H, alors j'enlève, vous voyez, ça tient quand même, hein. H, un tour, pareil, je mets mon petit repère en face de moi, petit coup de marteau qui va bien, je visse à fond, toujours sans forcer, hein. Voilà, toujours sans forcer ma vis, ici je vois, donc je fais un tour, voilà, je tourne, hein. Voilà, je fais un tour. Alors généralement un tour, la machine risque de bouter à haut régime, alors on descend à peine un petit peu. Voilà, c'est le réglage de base hein, de ce décarburateur comme ça. Alors la cosse tient quand même parce que je vais vous montrer. Voilà, je vais dévisser entièrement la vis. Voilà la vis, l'empreinte de la vis. Alors voilà l'empreinte de la vis, cet écran. Voilà ma cosse qui rentre parfaitement bien et qui tient hein, qui rentre parfaitement bien dans cette vis et qui peut nous dépanner. Après, je vous montrerai qu'il existe des kits de tournevis, mais en cas ben, de panne et que vous n'avez pas le matériel nécessaire, eh ben cette petite cosse bleue dite de jonction électricien peut
vous dépanner. Et je vous remercie.